diocésaine et pastorale est « Pour créer le bonheur, j'ai un cœur qui donne ». Par notre écoute, notre service, notre entraide et notre présence à l'autre, nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir à l'orientation que nous donnons à notre vie. Cherchons-nous notre propre bonheur en nous désintéressant à celui des autres? Notre vie est-elle guidée par la sagesse de Dieu ou la nôtre? Sommes-nous plus habiles à nous faire servir qu'à servir? Ensemble, demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer dans nos choix et nos décisions. J'invite maintenant les jeunes à venir déposer vos sacs d'école dans les marches à l'avant. Faites-les monter ici, vos sacs. Mettez-les ici. Mesdames, Messieurs, je demande maintenant de vous lever pour accueillir notre célébrant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par tes gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, il faut pas tant de fois apprendre encore à partager. Le temps et la tendresse, les talents et la richesse, ne rien donner sans donner rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son. Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous, ici rassemblés pour le faire Église. Salutations particulières à vous tous et qui, de la maison, vous unissez à nous grâce à la collaboration de l'équipe de CSUR TV, qui reprend ses activités. Je tiens d'ailleurs, au nom de notre équipe pastorale, à les remercier de faire coïncider la reprise de leur activité après quelques mois de vacances avec le lancement de notre année pastorale.
Votre collaboration avec la paroisse Saint-Michel permettant la mise en onde la messe dominicale en ce moment difficile ne passe pas inaperçue et témoigne sans l'ombre d'un doute de votre fidélité à la mission qui est la vôtre. Créer, produire et réaliser des émissions de télévision pour, par et avec les citoyens de la région de Vaudreuil-Soulanges. Frères et sœurs, en ce dimanche 19 septembre, nous soulignons d'une manière spéciale le lancement de l'année pastorale 2021-2022 qui a pour thème « Pour créer le bonheur, j'ai un cœur qui donne ». Cela ne va pas sans évoquer tous ces bénévoles qui s'engagent, puis ces beaux jeunes qui vivent la rentrée scolaire. Oui, tous ceux qui s'engagent d'une manière ou d'une autre ont besoin de la bénédiction de Dieu pour entreprendre ces diverses activités paroissiales. Et notre Dieu, qui n'a pas le bras court, ne manquera pas de le combler au-delà de leur attente. Frères et sœurs, je vous souhaite bonne célébration à toutes et à tous. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, nous nous savons appelés à la sainteté, mais nous sommes pécheurs. Nos pensées, nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de nous aimer. Implorons dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns les autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. La sagesse divine est faite de bienveillance, de miséricorde, du souci de la justice et de la paix. C'est en nous libérant de nos égoïsmes et en nous faisant serviteurs les uns les autres que nous faisons route avec le Seigneur. Accueillons et écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira.
Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à nos outrages et à des tourments. Nous saurons ce que nous vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas de souci de Dieu. Et mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est sémée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes pleine de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant,
il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et c'est lui qui m'accueille. Ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce qui concerne le service à la clientèle, implique la mise en place des systèmes visant à maximiser la satisfaction de ses clients. Ses ventes et sa rentabilité dépendent à sa capacité à satisfaire ses clients. Certains ne donne que si elle compte obtenir du profit en retour. Seul l'appât du gain les motive. Par contre, pour Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Il est venu parmi nous pour faire le bien. Il annonce encore une fois de sa mort. Les disciples n'ont pas l'air d'écouter. Ils pensaient et ils pensent qu'à eux et chacun se voit bien à la première place. Ce qui rend heureux, ce n'est pas se pousser en avant, c'est se mettre au service des autres. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et serviteur de tous, Jésus dit à ses disciples. Jésus présente le nouvel ordre des choses qui sera instauré dans le royaume. Le Christ, bien qu'il soit le maître et le Seigneur, se plaît à laver le pied de ses disciples. Ils devront eux-mêmes imiter leur maître. Seul un tel renversement des esprits peut régler les tensions de ce monde. Qui accueille un enfant, c'est-à-dire tous ces hommes et femmes sans richesse, sans pouvoir social et presque sans droit, dont l'enfant est le symbole, accueille de fait Jésus et de Dieu lui-même. Accueillir les autres, surtout le plus faible, c'est accueillir Dieu lui-même. Pour mettre en évidence la parole de Jésus, nous bénissons aujourd'hui les jeunes aujourd'hui avec leur sac à dos. Dans la même perspective, frères et sœurs, en ce dimanche, notre diocèse a choisi comme thème du lancement pastoral de l'année 2021-2022 et en ce jour de bénévoles, pour créer le bonheur. J'ai un cœur qui donne. Jésus, dans la lecture évangélique, trace la voie de l'humanité et de service envers les humbles. Les chrétiens connaissent le bonheur qui résulte du don de soi, un bonheur excellent. Aimer, c'est se donner et donner soi-même, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette attitude nous rapproche de l'image de Dieu qui donne et se donne à tous. Puisse cet état d'esprit qui était en lui demeurer en nous également et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le journal chrétien le confirme que le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Cherchons-nous donc
notre propre bonheur en nous désintéressant de celui des autres? Sommes-nous plus habiles à nous servir qu'à servir? D'ailleurs, frères et sœurs, en ce dimanche, en tout particulier, n'oublions pas notre première tâche, c'est de prier pour que le travail pastoral de l'année touche plus de cœurs par notre parole et par notre geste de compassion. Que nos bénévoles soient hommes et femmes de prière. Qu'est-ce qu'on attend, la prière? C'est la relation avec Jésus. Et le fruit de la prière, c'est la foi. Et le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Et le fruit du service est la paix, le dit Thérèse de Calcutta. C'est cela, frères et sœurs, le secret pour avoir la force de faire tant de bien. Le plus grand trésor est l'amour de nos frères et de nos sœurs en l'humanité. Pour pouvoir mettre en pratique cet amour dans notre vie demande une disponibilité de nos cœurs qui est capable de s'ouvrir et de se donner pour que le bonheur s'installe dans notre société, dans notre famille. Poursuit Thérèse de Calcutta, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. Pour terminer, en se laissant transformer par la parole du Christ et par son action, nous mettons de côté nos priorités égoïstes et nous adoptons des attitudes dignes des disciples du Seigneur. En cet esprit de service, ce dimanche, nous souhaitons que l'appel de Dieu pour être bénévole dans notre Église soit être répandu par beaucoup de baptisés et de gens de bonne volonté. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous serons invités à réfléchir à l'orientation que nous donnons à notre vie, à s'engager. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la sagesse, à l'humilité, à la sincérité, pour qu'il puisse déposer à nos cœurs la paix et à créer le bonheur dans celle des autres, en se mettant au service les uns des autres. Que cette célébration, frères et sœurs, ravive en nous la joie d'aller vers les autres et d'aimer comme le Seigneur nous aime. Ouvrons-lui notre cœur. Amen. On se souvient la parole de Sainte Thérèse. Aimer, c'est tout donner, oui, et donner soi-même. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et c'est donner.
donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre? Et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire? Et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais. Toute éternité, aimer c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. C'est notre vie, c'est notre destinée. À quoi bon vivre, à quoi bon rêver? Si l'amour venait à manquer, aimer c'est tout donner. Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même, et redire à jamais de toute humanité. Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Avec Jésus, nous savons comment devenir le premier en nous faisant serviteurs de tous. Proclamons aujourd'hui notre foi en Dieu qui nous inspire et nous pousse à l'imiter. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord les plus malheureux et les plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables de l'État aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines. Prions. Dieu est bon. Entends notre prière et exauce-nous.
pour tous les bénévoles de notre communauté qui se dévouent en ce temps de pandémie, donnant la santé pour qu'ils puissent continuer leur mission. Prions. Dieu te répond, entends notre prière et exauce-nous. Pour tous nos jeunes du primaire qui retournent en classe et qui ne sont pas vaccinés, pour nos adolescents insouciants et pleins de vie, pour nos jeunes adultes qui quittent le virtuel pour retourner en présentiel, donne-leur à tous courage, confiance, bonheur et joie de se retrouver. Prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer, œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. La messe d'aujourd'hui est offerte pour Jean Vienney et André Vieux, Henri Goulet, François Richard Leroy, parents défunts par Édouard Jacques Lorrain, André Rojon. Il deviendra le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'ils obtiennent dans le mystère eucharistique le bien auquel il croit de tout son cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, ton nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en tout particulier pour Jean-Marie, pour Jean Viennet et André Vieux, Henri Goulet, François Richard Leroy, parents défunts par Édouard Jacques Lorrain, André Rojon, et pour les humains qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance et simplicité, frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, avec le respect et la charité que nous avons entre nous, partageons la paix qui vient du Seigneur. Partageons en distance avec le geste des mains ou bien le regard. Oui, la paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Frères et sœurs, heureux sommes-nous être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Thank you.
Nous recommandons à vos prières M. Maurice Gauthier, 90 ans, époux de Mme Cécile Levac. Les funérailles ont été célébrées hier, le 18 septembre, à l'église Saint-Pierre. Mme Madeleine Vincent, 90 ans, veuve de M. Paul Robert. Les funérailles seront célébrées vendredi, le 24 septembre, à 14 h, à l'église Saint-Michel. Également, M. Marcel Maire, 86 ans, époux de Mme Jeannine Garot. Les funérailles seront célébrées samedi, le 25 septembre, à 14 h, à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les familles endeuillées. Vous savez, la fin du pèlerinage de 40 jours, ensemble sur ce chemin, arrive à grands pas, soit lundi, le 27 septembre prochain. À la fin du pèlerinage, tous les pèlerins sont invités à présenter leur carnet de pèlerin afin de recevoir leur certificat signé par Mgr Noël Simard. Dès la fin de semaine prochaine, le 25-26, le samedi et le dimanche, à toutes les églises, Aidez-moi seront présents pour la remise de vos certificats à la sortie de la messe dominicale. Merci et action de grâce pour ce ministère En Marche et prière que nous vivons tous ensemble en communauté sur ce chemin. Après la messe, il y aura des baptêmes. Si jamais des personnes sont intéressées à m'aider pour la désinfection, ce serait très apprécié. Je vous remercie tous grandement. Souvent, je n'ai pas le temps de vous remercier, mais à chaque fois, je vous remercie pour votre bénévolat que vous faites pendant que moi, je prépare les baptêmes. Alors, je vous remercie vraiment sincèrement. Je n'ai pas le temps de tout vous nommer, mais vous vous reconnaissez. Alors, merci. Bonne semaine. Mesdames et Messieurs, nous invitons maintenant les jeunes et tous les bénévoles de la paroisse à se lever. Les jeunes et les bénévoles, on vous souhaite vraiment, oui, c'est bien comme ça. On va vous bénir maintenant, les aînés et les jeunes, les plus jeunes. Seigneur, bénis ce sac d'école et leurs propriétaires. Garde-les en santé. Accompagne-les dans leurs défis. Donne à chacun et chacune d'entre eux une année pleine de joie, de découvertes et d'amitié
et que Dieu bénisse le fruit de leur effort et de leur persévérance dans leur étude. Seigneur, bénis aussi nos bénévoles. Ils sont dévoués à toi, à nous et à notre communauté. Ouvre nos yeux et nos cœurs sur leur service qu'ils nous offrent sans condition. Qu'ils nous transmettent leur générosité pour que nous en fassions autant et que Dieu lui-même les bénisse de toutes ses grâces et les garde en santé. Amen. Oui, frères et sœurs, pour terminer, pour conclure notre prière, je vous invite à vous lever. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère et pour toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, je vous invite à prendre parole, Madame Chantal, la directrice de... Oui, la directrice de CESUR TV. Oui, le micro est à vous. Bonjour, quelques minutes pour vous annoncer, bien, vous l'avez vu, le retour de la télévision communautaire sur les ondes cet automne et bien sûr avec la messe du dimanche qui va être diffusée plusieurs fois au cours de la semaine sur les ondes de Vidéotron, qui est le canal 609 pour les abonnés Vidéotron, 555 pour les abonnés Cogeco et pour les autres, bien, nous sommes aussi en web télé. Et voilà, j'ai déjà un fan. Sur la web télé à cesur.tv, où est-ce que vous allez pouvoir voir en direct le dimanche pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour les autres sur place, bien, vous allez pouvoir aller le voir tout au long de la semaine. On commence aussi notre campagne de financement pour préparer, là, vous savez, les équipements et tout ça. Donc, on est toujours à la recherche de partenaires, commanditaires, entreprises qui aimeraient parrainer ce qu'on fait actuellement là, jusqu'aux messes du temps des fêtes. Bien, je vous remercie beaucoup et bonne célébration. Oui. Et donc, frères et sœurs, je ne voudrais pas vous laisser partir sans d'abord remercier toutes et tous d'avoir participé à cette célébration. C'est sur CESUR.TV et son équipe, c'est sûr, mais encore tous les intervenants de cette célébration, lectrices de messe, oui, sacristine, animatrice, et encore merci à vous qui avez prié avec nous dès la maison. Donc, nous invitons à vivre le thème de l'année pastorale pour créer le bonheur, j'ai un cœur qui donne, ou pour le dire comme la petite Thérèse, aimer c'est tout donner et c'est donner soi-même. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Tout au long de l'année, nous travaillons parfois seuls, parfois en équipe, parfois en communauté, parfois en plus grand groupe, mais rappelons-nous que nous pouvons compter les uns sur les autres, que nous formons l'Église. Que Dieu vous bénisse et vous garde par son amour. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. Qu'il vous garde dans la louange et la charité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci.